Laetitia Hallyday officialise, en couple depuis quelques semaines avec l'acteur Jalil Lesper, la veuve de Johnny Hallyday a officialisé, ce mardi 15 décembre, avec une photo d'elle et de son nouveau chéri à Saint-Barthélemy. Pauline Ducru est dans les pas de sa mère, la jeune femme marche dans les traces de la princesse Stéphanie de Monaco puisqu'elle a décidé de lancer un appel aux dons pour la Croix-Rouge monégasque et l'opération Une Lumière pour Noël, pour venir en aide aux personnes isolées. Une cause soutenue longtemps par sa mère. La princesse Béatrice dans la tourmente, en organisant un repas avec trois de ses amis et son époux le 9 décembre dernier, la petite fille de la reine a désobéi aux règles sanitaires en vigueur au Royaume-Uni. Le prince Louis recycle les affaires de son frère, le 11 décembre dernier, Kate et William créent la sensation lors d'une sortie avec leurs trois enfants. Pour l'occasion, le prince Louis portait une veste déjà vue sur son frère, le prince George. George Clooney, très confiné, dans une interview accordée à Observer, l'acteur américain a confié qu'il ne sortait pratiquement plus de chez lui depuis octobre dernier, notamment pour préserver la santé de ses enfants. Emily Knapp en pleine forme pour son anniversaire, la compagne de Jérémy Mnet et ancienne candidate de télé-réalité a fêté son 33e anniversaire entourée de toutes ses copines. Mais sans son chéri, Meghan Markle et le prince Harry de retour, selon des sources proches du couple qui a récemment quitté la famille royale britannique, Meghan et Harry souhaiteraient être beaucoup plus présents sur la scène médiatique en 2021. Ségolène Royal taclée, virulente depuis plusieurs semaines contre le gouvernement, l'ancienne candidate socialiste à la présidentielle a eu le droit à un retour de bâton de la part de la députée Coralie Dubost qui lui a conseillé de fermer sa bouche. Chère victime d'une tentative de meurtre. Dans un long reportage que lui consacre le Guardian, la chanteuse a confié qu'elle avait été victime d'une tentative d'assassinat lors d'un concert donné à Broadway. Miss France et les problèmes de financement, J4 avant l'élection de Miss France 2021. L'occasion pour Closer de revenir sur les dernières polémiques concernant le financement de la cérémonie.